maman qui est venue, elle est venue petite tonne de ciment. Maman, je vais te donner une grande tonne de ciment. Je vais te donner une grande tonne. Tu bénis à tes besoins, l'emmène pour le combat, la villa est sans débat, la villa est grande et misère. Papa, la villa est en tant que une femme, j'ai été deux ans à 25 ans et je suis maintenant, j'ai maintenant 60 ans. Je suis le jour que je vois brinquer son pied, mon pied. Je suis au sein et dans ta salle brinquer. Alors, j'ai pris ça, je viens lui donner. Elle n'a pas de maison. Hé, c'est à vous, parce que moi, je ne dis pas. Encore. Je vais avoir besoin de petits bandes de ciment. J'ai pris. Mène le combat, la villa est sans débat. Tout à l'heure, il y a une maman qui est venue, elle est venue petite tonne de ciment. Maman, je vais te donner une grande tonne de ciment. Je vais te donner une grande tonne. Voilà. Considère que tu as déjà. Un tonne de ciment. Merci. Merci. Considère que tu as déjà ta tonne de ciment. Merci. Donc, Dieu te bénit. Voilà. Tonne de ciment, ça coûte 1 million. Merci. Ça coûte rien même. Merci. Il ne faut pas attendre d'avoir des milliards avant de partager avec tes parents. Merci. Considère que quelqu'un qui vient en public pour exposer merci. Son problème, ça veut dire que. Dans la maison où elle est, son cœur souffre. Qui n'est pas de maison. Mon c'est enfant. Mon rôle, c'est mon devoir mon d'apaiser mes parents. Et cette femme qui a eu le courage de venir dans ce public, pour pleurer en public, pour une tonne de ciment. Je dis à Nebo qu'elle a déjà sa tonne de ciment. Voilà. Le Goudé lui avait promis. Donc nous sommes là ce soir pour la remise officielle de ce ciment avec. Le VP Kokora, Maman Tayoro, le chef Salomon, la présidente de la coopérative de Nebo, les papas, chefs de famille, de la famille Tayoro. Vraiment, je bénis Dieu de ce que ce n'est pas tout le monde qui tient sa parole. J'étais au champ et Dieu m'a dit, puisque tu as un besoin, il faut aller voir mon fils. Et ainsi que je suis parti le voir. Je suis très ému de ce qu'il a honoré, la tombe de ciment qu'il m'a donné, vraiment que Dieu le bénisse. Et que, comme le dit le livre de Josué 7, à partir du verset 5, que tant que tu vivras, que lui ne se tient pas devant toi. Et que son ami garçon ne se tient pas devant lui, de ce qu'il m'a honoré en tant que sa mère. Je reste toujours sa mère. S'il y a un besoin, à tout temps, je lui ferai toujours appel. Et moi aussi, je prie pour lui, pour que Dieu soit avec lui et tous ses collaborateurs. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ça, c'est l'aîné de la famille qui me reçoit là, tout le monde ma cabane là-bas. Je n'ai qu'à dire merci à Charles Boudet pour son geste. Je lui dis merci parce que ce n'est pas tout le monde qui tient ses promesses. Il a dit qu'il le ferait et il l'a fait. Et c'est déjà très important. C'est dit qu'on peut compter sur lui. Je joue que lorsqu'on est là pour diriger ce pays, nous sommes certains qu'on pourra honorer cet engagement. Et nous sommes très fiers. Je dis merci. Merci. C'est un don qui me va droit au cœur. Parce que comme le disait tantôt la maman, il dit que ce n'est pas tout le monde qui honore les engagements. Et le camarade vient de nous prouver qu'il peut diriger la Côte d'Ivoire, il peut diriger un monde. Parce qu'il a promis
et il a réalisé. Que Dieu le bénisse et que vraiment il fasse pour sauver les vies humaines qui sont en détresse. Que Dieu le bénisse. Je suis très fier de lui. Merci. Considère que la déjà est un la pile a été.